franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Si on est lucide, comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps. Je ne dirai qu'un mot. Macron, Macron. La retraite, ça devrait être chouette. Depuis l'usine, je l'imagine. Mais il y en a un, il est zinzin. Il verrait bien 2 ans de plus galérien. Elisabeth est vraiment bête, elle est bornée, on voit bien qu'elle s'entête. Ma parole, ils sont hors sol, surtout Macron qui veut jouer les patrons. Macron, le peuple t'a dit non, ta réforme à la con fout le boxon. Macron, le peuple t'a dit non, la réforme à la con fout le boxon. Olivier Dussopt fait bégayer, tout comme Véran, Olivier faisait avant. Gabriel fait les poubelles, non, c'est Nunez qui est beaucoup plus à l'aise. L'Assemblée n'a pas voté. Oui, au Sénat, faut dire qu'ils sont gaga. Commission, attrape-couillon, 49-3, Macron aime tant ça. Macron, le peuple t'a dit non, ta réforme à la con fout le boxon. Macron, le peuple t'a dit non, ta réforme à la con fout le boxon. Macron, 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 le peuple t'a dit non, ta réforme à la con fout le boxon. Macron, 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 le peuple t'a dit non, ta réforme à la con fout le boxon. Non, 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 Macron, le peuple t'a dit non, c'est ça le plus important. En participant, nombreux et nombreux à ce défilé historique,
nous maintenons la pression sur le gouvernement, sur le patronat, pour que la loi ne soit pas appliquée. Il faut poursuivre la mobilisation. Des millions de grévistes et manifestants ont mis en minorité le gouvernement et le président de la République. Le combat doit continuer. L'urgence, c'est d'augmenter tous les salaires et non pas reculer l'âge du départ à la retraite à 64 ans. La solidarité internationale viendra renforcer ce mouvement. Avec la présence dans le défilé parisien, de nombreuses délégations venues du monde entier soutenir la lutte française. Elles viendront de toute l'Europe, de la Russie, de l'Ukraine, du Bélarus, d'Afghanistan, d'Inde, du Brésil, de la Turquie, d'Asie. Le 1er mai est aussi une journée de solidarité internationale pour la paix entre les peuples, pour dire notre refus des idées d'extrême droite, du racisme, et pour résister à celles et à ceux qui distillent le poison de la division. Non à la retraite à 64 ans. 1er mai unitaire, comme tu l'as dit Véronique, populaire et international. Moi je vais rester très local. Deux rendez-vous le 10 mai contre la fermeture du lycée Saint-Germain. On vous donne rendez-vous devant le lycée Saint-Germain à 14h le 10 mai, toujours unis en intersyndicale contre l'annonce prochaine de la fermeture de ce lycée. Alors faites passer le message. Et deuxième message, à la fin de la manifestation, l'intersyndicale vous invite tous à boire un apéro de l'amitié et de l'unité. A tout à l'heure et bonne manif. Allez, la musique a peur démarrer, on est resté du bruit nous-mêmes. Et on est là, et on est là, et on est là, jusqu'au retrait. Et on est là, et on est là, et on est là, jusqu'au retrait. Et on est là, et on est là, et on est là, jusqu'au retrait. Et on est là. Ma prête, 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 ma pr
personnes qui partent en retraite sont déjà à moitié cassées. Que pour partir en retraite, elles soient enfants, elles soient handicapées, en situation de handicap, en situation de paramérique, être complètement cassées pour pouvoir partir à 60 ans à la retraite. Et bien c'est indigne. C'est indigne d'un pays comme la France. C'est indigne d'un pays où les entreprises de CAC 40 ont fait plus de 122 milliards en 2022. Mais 122 milliards, ce n'est pas les entreprises qui l'ont fait. C'est nous. C'est ça qui fait la vidéo. Que cette richesse, c'est nous qui la produisons. Donc il est normal de la réclame. Thank you.
Macron, dégage! Macron, dégage!
Oh,